Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Les conséquences des difficultés de la filière nickel et leur impact éventuel sur le plan économique, social et fiscal, notamment si la situation devait encore se détériorer, c'est ce dont nous allons parler dans cette émission avec les quatre invités qui sont sur ce plateau. Patrick Dupont, le président de la CAFAT, Mickaël Jamais, le directeur de la DSF, la direction des services fiscaux, Max Fouché, le président du Contract Mine, et Eric Vlaminck, le président de Link, société spécialisée dans la maintenance des fours et l'isolation des tuyauteries. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, on sait que des décisions doivent être annoncées dans les jours qui viennent. On pensait peut-être concernant KNS dès aujourd'hui, mais on a appris il y a quelques instants que le conseil d'administration qui devait se réunir a été reporté. On en saura sans doute plus ce soir. On sait aussi que l'État travaille avec les acteurs calédoniens pour trouver des solutions. On va donc vraiment s'attacher à rester dans la situation actuelle. La situation actuelle, c'est que les trois usines fonctionnent, qu'aucune décision donc n'a été encore annoncée. Et puis, ce qui est sûr, c'est que les trois industriels ont déjà réduit la voilure avec notamment une forte contraction du recours aux sous-traitants. Voilà pour cette situation à l'heure où nous parlons aujourd'hui. Mais on va essayer de voir quelles sont les conséquences quand même déjà aujourd'hui et peut-être demain si la situation devait s'aggraver, notamment sur la filière nickel et les conséquences qu'elles peuvent avoir en cascade. Alors on va commencer avec vous Max Fouché, parce que vous êtes évidemment, vous faites partie des gens qui sont très préoccupés par la situation actuelle et vous pensez que les Calédoniens n'ont pas forcément encore pris assez la mesure de ce qui se passe ? Oui, je crois que tout à fait. Les Calédoniens, l'ensemble de la Calédonie n'a pas pris conscience de la situation et de la catastrophe dans quoi on risque de rentrer. Je suis satisfait d'avoir le directeur de la CAFAT qui est en face de nous, qui pourra répondre à nos peurs, président, à nos craintes président. De président. Oui. Il me semble, pour moi, que la pyramide calédonienne, c'est la CAFAT. C'est le système social. Si demain, notre système social il s'effondre, ça veut dire que la Calédonie, il n'y a plus aucun entrepreneur, il n'y a plus personne qui peut travailler. Pourquoi ? Parce que l'ordre public, c'est la justice, c'est la gendarmerie, la police. Si demain un entrepreneur décidait de continuer à travailler sans couverture sociale, il me semble que tout accident qui pourrait survenir, ça pourrait lui coûter énormément cher. Mais sur ma droite, j'ai quand même les services fiscaux qui sont présents. On a une chaîne. Cette chaîne, elle est rompue. Comment on fait la gestion de nos entreprises face aux services fiscaux en fin d'année? Alors, je pense que pour moi, pour ma part, que les Calédoniens ne comprennent pas que si demain on perd ce système, on aura tout perdu. On aura perdu le système de fonctionnement du pays. Alors, ben justement, je vais me tourner vers le président de la CAFAT, parce que où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que le système est en danger, Patrick Dupont? On sait que déjà, par exemple, c'est le cas de la SLN, il y a un report des cotisations sociales qui a été négocié pour faire en sorte que les charges ne pèsent pas trop sur la SLN et de la mettre en difficulté plus grave qu'elle n'est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux de ce que aujourd'hui, enfin de la manière dont le système social est impacté par cette crise? Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, l'impact, il est essentiellement sur des retards de paiement de certaines entreprises métallurgiques qui n'ont pas forcément été négociées, qui ont été plus ou moins imposées effectivement à la CAFAT. Mais on n'est que dans des retards de paiement. C'est-à-dire, si ces retards de paiement, suite à des éventuelles négociations avec l'État, permettent de recouvrer les montants dans l'année qui vienne, on n'aura effectivement pas trop d'impact. On regarde quand même aussi de manière très, très attentivement le paiement des cotisations trimestrielles qui doit avoir lieu le 31 janvier. Vous savez que le paiement des cotisations CAFAT pour les petites entreprises, c'est tous les trimestres. Et le prochain paiement, c'est le 31 janvier. Donc on regarde effectivement si le 31 janvier, on a des impayés comme d'habitude, au même niveau ou plus élevé, moins élevé, etc. Donc on regarde vraiment ça de manière très attentive. Mais aujourd'hui, on a un impact qui est encore une fois essentiellement sur le non-paiement de certaines cotisations. Je parle uniquement des cotisations patronales, bien sûr, parce que les cotisations salariales sont toujours payées par les employeurs, enfin presque tous les employeurs. Et on a donc simplement des retards dont on espère qu'ils vont être rattrapés durant l'année. Ceci étant, ça se répercute aujourd'hui sur une situation qui est déjà complexe, puisque ce n'est pas une surprise. Le RUAM est effectivement en déficit et le régime retraite, qui est le deuxième régime le plus important après celui du RUAM en termes de cotisation, est lui aussi en déficit. Donc
on rajoute des difficultés à des situations qui sont déjà effectivement complexes en termes de gestion. Le compartimentage des différents régimes n'est pas impacté par ce qui se passe aujourd'hui ? Les différents régimes sont indépendants. On ne peut pas, sauf décision éventuellement à un moment donné du conseil d'administration ayant entériné par le gouvernement, on ne peut pas prendre des montants d'un régime sur l'autre. On peut éventuellement faire des prêts. Ça a été fait il y a 2 ou 3 ans. Le régime retraite a prêté de l'argent au régime RUAM et cet argent a été remboursé en 3 ans. On peut aussi décider de transférer des points de cotisation d'un régime à un autre, mais là aussi, ça nécessite un accord des partenaires sociaux, du conseil d'administration et bien évidemment une délibération du Congrès. Donc tout ça est effectivement cadré et on ne peut pas s'amuser aujourd'hui. Je ne peux pas, comme ni le conseil d'administration ni le directeur peut dire ben, on va prendre tant de milliards sur la caisse de retraite pour renflouer le RUAM. Ça n'est pas du tout possible. Max Souchet ? Pour moi, personnellement, je voudrais quand même vous posez une question, est-ce qu'il y a des risques que notre système social s'effondre ? Alors, si on prend effectivement le cadre général, quand on regarde un peu les chiffres, les usines métallurgiques, c'est-à-dire les 3 usines, représentent à peu près 8% des salariés du privé et de la masse salariale. Si on y rajoute l'ensemble du secteur nickel, c'est-à-dire les usines plus les mineurs, on obtient à peu près 10% de la masse salariale. Et donc, ça fait à chaque fois autant, bien sûr, de pourcentage de cotisations. Vous incluez les sous-traitants ? Alors non, là, je n'inclus pas pour l'instant les sous-traitants. Si je prends en compte, s'il y a des travaux qui ont été faits par l'ISEE là-dessus et qui ont été repris dans le rapport de l'IGF, si je prends en compte les usines, l'ensemble des mineurs et l'ensemble des sous-traitants et même les indirects, on obtient à peu près 20% de la masse salariale globale. Donc, les impacts peuvent être à un moment donné significatifs, mais ça voudrait dire qu'on serait dans une situation où les 3 usines fermeraient et très sincèrement, alors moi je suis bien évidemment pas dans les négociations, mais je doute qu'à un moment donné, l'État et la Nouvelle-Calédonie laissent l'hypothèse d'une fermeture quasiment simultanée des 3 usines se réaliser. Le système peut survivre éventuellement avec une usine qui ferme, d'autant plus qu'une fermeture n'est jamais complète. Il y a effectivement il y a un maintien de l'emploi, il y a effectivement les mines qui peuvent continuer à fermer. Donc ça peut éventuellement fonctionner avec une usine qui ferme, mais encore une fois, on est quand même dans une situation qui me paraît la moins probable compte tenu des discussions en cours. Alors on va continuer d'avancer évidemment dans ce débat, mais on va continuer de dresser l'état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui avec vous, Michael Jamais, directeur de la DSF, puisque on l'a vu, il y a un certain nombre de cotisations de rentrée sociale qui ne se font pas au niveau de la CAFAT. Quelle est la situation au niveau des impôts ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, la situation des usines, la situation aussi juridique des usines, parce que certaines sont accompagnées par des procédures judiciaires en cours. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un manque à gagner sur les impôts ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a moins de recettes collectées dans la situation actuelle avec ce qui se passe dans le secteur nickel ? Alors, effectivement, on est un peu dans la même situation que la CAFAT, finalement. Ce qu'on constate, c'est que globalement, les usines, enfin les métallurgistes et puis le secteur minier continuent d'acquitter ses impôts comme il se doit, excepté une des usines sur laquelle on a accordé un report de paiement de ces échéances, parce qu'effectivement... C'est la SLN, pour ne pas la citer. Oui, c'est ça, exactement. Effectivement, parce que sinon, on était dans une situation de cessation de paiement. Donc le gouvernement a décidé d'accompagner la société Le Nickel. Le gouvernement a également décidé d'accompagner l'intégralité du secteur. Il y a une cellule qui vient d'être mise en place pour justement étudier au cas par cas les problématiques que rencontreront à la fois les métallurgistes, les miniers et leurs sous-traitants. L'idée étant de pouvoir effectivement les accompagner au mieux pour passer cette période difficile
qui, je l'espère, ne perdurera pas. La question qui reste posée aujourd'hui, on va vous écouter après aussi les sous-traitants, c'est de savoir jusqu'à quel seuil et les régimes sociaux et les régimes fiscaux peuvent continuer de fonctionner avant que la situation devienne véritablement incontrôlable. Parce que je pense que c'est ça la crainte qu'il y a aujourd'hui derrière, c'est à quel moment la Calédonie, dans ses régimes sociaux ou dans ses régimes fiscaux, va se retrouver en danger. Alors vous avez en partie répondu, Patrick Dupont, mais bon, il faut faire attention, quoi. Oui, et puis c'est quand même très difficile, parce que on a du mal quand même à mesurer les impacts de la fermeture d'une usine. D'abord, effectivement, une usine ne ferme pas complètement. Il y a aussi le secteur minier qui peut rester. Il faut voir aussi la façon dont l'usine est dans le système économique. La SLN, elle est dans le système économique du Grand Nouméa, qui est un système développé, alors que KNS est dans le système de VKP et est extrêmement important dans l'ensemble de l'économie de VKP. Donc il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte qui sont effectivement excessivement complexes. Si on veut résumer, on pourrait dire effectivement que le système peut tenir sur une usine qui ferme. Après, au-delà, ça risque d'être effectivement extrêmement compliqué. Et je parle bien évidemment là sans qu'il y ait d'intervention de l'État ou autre. Mais encore une fois, j'imagine assez peu quand même ce genre de scénario. Mais je vais laisser des sous-traitants éventuellement donner leur avis là-dessus. Moi, pour Marc Fouché, pour ma part, on parle toujours de la masse salariale. Si l'usine est ferme, ok, on parle de la masse salariale. C'est une chose. Mais l'indirect, tous ceux qui sont derrière, en cascade, ceux-là aussi vont s'arrêter. Et ceux-là, vous ne les comptabilisez pas. Et ceux-là, ils doivent rentrer dans le même système. Je les ai comptabilisés tout à l'heure. Je vous dis qu'on a différents seuils. Et quand on prend la totalité, sur la base des travaux qui ont été faits par l'ISE, la totalité des personnes qui sont à la fois sous-traitantes et tout ce qui est indirect, c'est-à-dire au niveau de la consommation, de la grande consommation, etc., on a effectivement à peu près 20% de l'ensemble des salariés. Donc l'impact, tout confondu, l'impact peut être important. Mais encore une fois, c'est vraiment le scénario catastrophe. Je pense aussi ce que veut dire Max Fouché, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est que, prenons l'exemple de KNS, si l'usine, c'est une éventualité qui n'est pas encore effective, mais dont on parle, se met en mode de mise en sommeil chaude, c'est-à-dire on maintient encore les fours, il y a 200 salariés. On sait que c'est une zone qui s'est développée, qu'il y a des commerces qui se sont créés, qui vont peut-être perdre aussi. La cascade, elle ne s'arrête pas simplement aux comptes sociaux, mais peut-être à tout le monde économique et commerçant qu'il y a autour. C'est bien ça que vous vouliez souligner. C'est ça le gros problème. Mais c'est bien ça qui est aussi pris en compte à la fois dans les travaux de l'ISE et dans les... dans les travaux de la CAFAT. Alors on va vous attendre ici, Eric Lamecq, dans un instant, mais je repose quand même la même question à Michael Jamais, cette question du seuil par rapport en dessous duquel il y a un moment où ça va devenir vraiment très dangereux. C'est compliqué à estimer, mais effectivement, si on était dans l'hypothèse d'une fermeture des trois usines de manière simultanée, là, effectivement, on aurait une vraie problématique en termes de rentrée fiscale, puisque, à titre d'information, les trois usines, c'est à peu près 8 milliards d'impôts par an. C'est à peu près 48 milliards de sous-traitants, c'est 30 milliards de salaires qui sont versés. Donc vous imaginez bien que si demain tout ça s'arrêtait, il y aurait forcément une conséquence extrêmement importante sur les finances de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes. Alors Eric Lamecq, on va vous entendre. Je rappelle que vous êtes le président de Link, qui est une société en fait de sous-traitance qui travaille sur la maintenance des fours et sur la tuyauterie. Donc vous faites partie des gens et des sociétés qui peuvent connaître une baisse d'activité. Est-ce que vous l'anticipez? Est-ce que vous la préparez? Est-ce qu'il y a une grosse inquiétude aujourd'hui? Quel est votre état d'esprit? Alors, on a le choix entre deux solutions. Ça va être soit difficile, soit très difficile. La baisse d'activité, on l'a déjà vécue lorsque, par exemple, il y a Vale qui a décidé d'arrêter sa raffinerie il y a quelques années. On intervenait sur les fours à lit fluidisés. Ça a été une baisse d'activité conséquente. On a également eu Enercal qui s'arrêtait sur le site d'Oniambo. C'est une autre baisse d'activité. Donc, je ne vais pas dire qu'on a l'habitude de s'adapter aux difficultés, mais on a des sociétés qui sont suffisamment flexibles pour pouvoir absorber certaines baisses d'activité. Néanmoins, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. On a une convergence de problèmes en ce moment, qui est un problème de cash flow sur les trois usines. C'est seulement un problème de trésorerie. Parce qu'en termes de production, Prony Ressources produit extrêmement bien. Depuis la fin de l'année dernière, depuis le dernier arrêt, je crois qu'on est autour de 130 tonnes par jour.
c'est des niveaux de production qui sont en ligne avec les objectifs qui sont fixés. On a la SLN qui bat les records semaine après semaine. Et on a Premier Ressources depuis le KNS, depuis l'inversion de polarité des électrodes il y a un peu plus d'un an, qui également produit très très bien. La centrale électrique est plus ou moins stabilisée et la production, elle est beaucoup plus forte. Donc tout est aligné pour avoir des usines qui sortent pour Premier Ressources et KNS de cette phase qu'on appelle le ramp-up et arriver à une production nominale et pouvoir produire ce qui était les paramètres du design de départ. Avec malheureusement un cours qui est très bas aussi. Ça, c'est la variable sur laquelle on ne peut pas intervenir. Ouais. C'est qu'il y a un prix du nickel qui a perdu, il y a un nickel qui a perdu près de 40% de sa valeur en un an. Malheureusement, on a l'Indonésie et la Chine qui font du dumping sur ce cours. Et là-dessus, il y a une politique, je dirais, globale internationale qu'il faut mettre en place pour s'assurer qu'on puisse écouler notre nickel. J'en reviens à votre activité. Vous dites qu'il y a de la flexibilité qui est possible, mais sur quel levier vous jouez pour vous adapter ? Est-ce que c'est la réduction de la masse salariale ? Est-ce que vous aussi, vous faites appel à des sous-traitants et là-dessus, vous essayez de vous adapter ? Enfin, quels sont les leviers dont vous disposez pour cette flexibilité ? Nous concernant, lorsqu'on intervient par exemple sur la réfection des fours, on a la chance de faire partir d'un groupe international qui peut nous fournir en ressources et nous approvisionner en surplus de travailleurs quand il y en a besoin. C'est le cas à chaque fois qu'il y a un arrêt-usine. Mais la maintenance courante, on le fait avec des équipes locales. La façon dont on a pu s'adapter, c'est qu'on a simplifié énormément de process. Par exemple en interne avec la digitalisation des processus, ce genre de choses. Mais ça a des limites. Ça ne permet pas de faire de grosses économies d'échelle. Le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est comment va-t-on pouvoir garantir en cas de fermeture, mise en veille ou ralentissement forte d'une des usines, comment allons-nous pouvoir garantir à nos autres clients le même niveau de sécurité et le même niveau de qualité, parce que ça, ce sont des frais fixes, des frais de structure, ce ne sont pas des sur lesquels on ne peut pas rogner en plus. C'est difficile de rogner, très difficile de rogner. Alors même question pour vous, Max Fouché, par rapport aux rouleurs, parce qu'aujourd'hui, Contract Mine, c'est à peu près 400 rouleurs, vous me disiez. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une baisse d'activité ? Est-ce qu'il y a des inquiétudes ? On sait que pour certains, il y a des crédits qui sont engagés sur les camions. Est-ce que le secteur du roulage fonctionne normalement ? Non, il ne faut pas dire que ça fonctionne normalement. Aujourd'hui, on est face à d'énormes problèmes. On connaît le problème des usines, des donneurs d'ouvrage comme la SLN, avec qui on travaille. Mais aujourd'hui, on a le cours du minerai, du nickel, qui s'est cassé la figure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les problèmes, on les a directs. Ça veut dire que sur certains sites, les chutes sont arrivées à plus de 50% d'activité, en moins. Ça veut dire que ces gens-là, et combien de temps ils vont tenir ? On voit que sur KNS, sur Valais, il parle de virer une cinquantaine d'entreprises sous-traitantes. Mais cette cinquantaine d'entreprises sous-traitantes, ils ont des salariés. Et ceux-là, ils sont à la CAFAT. Et comme chez nous aussi. Chez nous, l'ensemble de nos sous-traitants, ils sont à la CAFAT. Mais c'est grave, parce qu'on n'a pas que les usines qui risquent de fermer. Aujourd'hui, on a une baisse de marché, on a une baisse d'exportation, on a tout qui a fait pour que ça se trouve maintenant. C'est là que je dis, attention à la Calédonie, on est mal parti. Parce que les retombées, il faut savoir qu'en temps normal, la sous-traitance calédonienne des sous-traitants miniers, 5 milliards par mois de chiffre d'affaires. Hein, 5 milliards par mois, mais ça, c'est pas 5 milliards qu'ils ont mis dans la poche des entrepreneurs. Hein. C'est redistribué sur l'ensemble du pays. Ça fait vivre les communes minières. Mais quand il n'y a plus ces revenus, moi je vous dis que les communes minières, ça va être dur. J'en reviens aux rouleurs. Aujourd'hui, leur activité, ils sont payés de quelle façon, les rouleurs ? Ils sont payés à la tonne. Ils sont payés à la tonne de production. Le roulage, il est payé à la tonne. Sur les sites d'exploitation, les machines sont souvent rémunérées tarif horaire. Mais quand on arrête une machine, on arrête un bonhomme. Et on arrête un suivi de cette machine. Parce que derrière, vous avez la maintenance, vous avez le ravitaillement, vous avez tout ça s'arrête. Et c'est catastrophique.
Et ça, ça a été pris en compte dans les chiffres que vous avez évoqués. Ça, hein, c'est pas en compte. Non. C'est ce que je disais, c'est que c'est pas pris en compte dans nos chiffres. Mais par contre, on surveille très très attentivement. C'est ce que je disais, notamment sur l'échéance du 31 janvier. Est-ce qu'on a des secteurs particuliers sur lesquels on va avoir des problèmes de paiement? Et c'est vrai que, et à la limite, c'est vrai que si Contract Mine ou les syndicats de rouleurs estiment qu'il va y avoir des soucis, c'est peut-être bon, effectivement, qu'on puisse en discuter avec le bureau de la CAFAT. Mais ce que dit Max Fouché, c'est que en Nouvelle-Calédonie, on est effectivement dans un écosystème du nickel qui est bien organisé parce qu'il y a beaucoup de retombées locales, mais de l'autre côté, ça veut dire qu'on a effectivement des sous-traitants qui sont de petites entreprises et qui finalement n'ont qu'un seul client, ne sont pas diversifiés. Ils sont fragiles. L'avantage de la société Link, c'est qu'elle est diversifiée, elle a plus de clients. La plupart du temps, dans les écosystèmes locaux et régionaux, comme dans le sud, ou à Kouaoua, ou à Népouy, ou sur Vaud, on est dans des sous-traitants qui n'ont qu'un seul client. Et c'est ça, souvent, le point le plus névralgique. Et ça veut dire, si le client s'arrête ou décide de réduire de moitié son activité, bien évidemment, le sous-traitant, il en subit entièrement les conséquences. Là, on parlait de chômage, de diminution d'activité. Je vais vous donner un exemple. Quand une exploitation minière consomme aux alentours des 20 000 à 27 000 litres de carburant par jour, quand cette activité minière ralentit, sachez bien que la chaîne, même le fournisseur d'hydrocarbures, il va ralentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en plus du dépôt qui va diminuer sa masse salariale, les transporteurs de carburant vont diminuer. Et la chaîne, les vendeurs de pneumatiques, c'est une chaîne qui est infernale. C'est une cascade. Et c'est là que je dis, c'est grave. Parce que cet argent de revenus de la mine, elle n'est pas pour enrichir les gens. Elle est pour faire vivre le pays jusqu'à présent. C'est ce que beaucoup de gens ont cru. Ça enrichissait. Non, ça fait vivre le pays. Aujourd'hui, c'est tout ça qui fait fonctionner l'économie du territoire. Si ça s'arrête, le commerce en subit les conséquences. La douane en subit les conséquences. Les fournisseurs de pièces, mais tout le monde passe par là. Éric Leminck. Oui, on l'a bien compris. La sous-traitance, c'est la variable d'ajustement des usines. Hein. C'est la partie de la masse salariale dont on peut disposer à loisir. À l'extrême, on a les tâcherons, ce qui se passe sur certaines mines de la SLN hein, qui sont tâcheronnées. Par contre, il faut garder en mémoire qu'effectivement, la situation, elle n'est pas florissante, mais il faut se focaliser sur les choses pour lesquelles on peut avoir une influence. Le cours du nickel, à notre niveau, on ne va pas y faire grand-chose. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il est à l'étude de valoriser un nickel vert, plus propre, plus respectueux du RSE, de l'environnement, des conditions de travail des travailleurs. Et à ce titre, nous avons une responsabilité. La première, c'est de continuer à faire confiance à nos opérateurs, parce qu'ils viennent de nous prouver qu'ils étaient capables d'avoir des niveaux de production qui correspondent aux paramètres de design. Et la deuxième, c'est en s'assurant que lorsqu'on travaille chez eux, on le fait dans les meilleures conditions de sécurité, avec la meilleure qualité et en respectant l'environnement. Parce que c'est les seules variables sur lesquelles nous, on peut intervenir. Ce que vous dites, c'est qu'on ne concurrencera jamais d'autres pays comme producteurs comme l'Indonésie, notamment, dont on parle. Mais pour moi, la concurrence, elle est complètement déloyale. Parce qu'ils n'ont pas du tout le même niveau de protection sociale de leurs travailleurs. Ils n'ont pas le même respect de l'environnement. On se retrouve avec le nickel exactement comme le problème qu'on a avec nos agriculteurs pour lequel on importe des produits de pays qui ne respectent pas les normes que l'Europe leur impose. Donc si on ne fait rien pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement d'un nickel qui soit plus propre, plus vert et plus vertueux, ça va être très 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 compliqué. Mais en attendant, il faut s'accrocher à ça et nous participer à ça, encore une fois, en jouant sur une chose: la sécurité, la qualité, le respect de l'environnement. On n'a pas d'autre solution. Après, il y avait un autre problème qui se pose, parce qu'aujourd'hui, on parle du cours mondial, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la Calédonie, elle est attachée à, on va donner un exemple, à deux acheteurs. Okay ? Si demain, ils avaient la possibilité de vendre, de faire de la concurrence avec les acheteurs, peut-être que le débouché, il serait mieux. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ça. On est emprisonné avec un certain nombre d'acheteurs. On n'a pas la possibilité de vendre à plusieurs. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on sait très bien que la concurrence, si elle existe, ça peut marcher. Mais là, ce n'est pas le cas. Là. Au niveau du commerce,
quand je parle du commerce, de notre activité principale, la sous-traitance du roulage minier à l'export, je pense que ça pénalise les exploitants miniers, de ne pas pouvoir avoir la liberté de se choisir un acheteur. J'en reviens avec vous, Michael Jamais, quand même sur les conséquences fiscales de la situation actuelle. Vous l'avez bien expliqué qu'il y avait des manques à gagner fiscaux, en quelque sorte, dans la situation actuelle, qui sont anticipés et qui sont calculés et qui sont gérés. On sait qu'une des autres principales rentrées fiscales pour la DSF, c'est les douanes. Est-ce que la situation actuelle impacte aussi ce secteur-là, par exemple? Est-ce qu'il y a moins de commandes extérieures? Est-ce qu'avec les usines qui tournent au ralenti, vous avez senti qu'il y avait aussi, du côté du rendement douanier, des baisses? Je vais avoir du mal à vous répondre parce que les douanes sont les douanes et la DSF. Et vous êtes étanche comme à la CAFAT. La DSF ne gère pas toutes les taxes douanières. Moi, ce que je peux constater en matière de TGC, qui effectivement acquitté et d'assiette de TGC acquittée. Et là, ça passe par la DSF. Acquitté au niveau des douanes, c'est effectivement une réduction de l'assiette, par exemple sur le mois de janvier, de l'ordre de 2 milliards. Donc quasiment de l'ordre de 10%. Donc effectivement, peut-être que c'est lié au secteur minier, mais ça, je pourrais pas vous le certifier. Alors, l'émission avance et on pourrait parler. Vous avez encore une remarque? Oui, mais elle n'est pas finie. J'aurais une question à poser. Allez, posez-la. Aux personnes qui sont autour de la table, dans la situation où on est, qu'est-ce qu'il faut? Un bon chèque pour renflouer tout ça? Est-ce qu'on peut s'en sortir sans ça? Je laisserai Patrick Dupont. Je laisserai pour aussi commencer, puis après Eric Lamain. Il y a deux choses. Il faut d'abord, comme tu le disais, une stratégie, mais qui soit une stratégie d'État. Alors, c'est pas l'idée de nationalisation ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est totalement hors de propos. Le truc, c'est de dire que l'État et la Nouvelle-Calédonie avec lui, doivent avoir une stratégie à moyen et à long terme. La stratégie, c'est celle dont parlait mon voisin, c'est de dire clairement, on est sur du nickel vert et on va faire en sorte, à la fois au niveau local en termes de production et au niveau international, c'est-à-dire au niveau de l'Europe, de mettre en place ce qui permet effectivement de valoriser ce nickel vert. Et après, à un moment donné, avant de pouvoir de faire en sorte que cette stratégie, elle nous permet de gagner de l'argent, il va sûrement falloir que l'État, puisque c'est le seul qui peut le faire, fasse effectivement des chèques. C'est ce qu'il a anticipé pendant 2 ans, pendant 3 ans, pour pouvoir avoir le temps de mettre en place cette stratégie. Il faut les deux choses, mais je pense que de toute façon, le président Macron a été très clair là-dessus. On ne peut pas faire des chèques s'il n'y a pas une stratégie à moyen et long terme qui permet effectivement de faire en sorte que le nickel calédonien soit rentable et surtout profitable pour l'ensemble des acteurs occidentaux qui vont utiliser ce nickel et qui ne doivent pas effectivement dépendre de la Chine principalement. Éric Vlaminck. Oui, cette question a été répondue les derniers jours, les dernières semaines. Il y a effectivement deux leviers qui sont activés. Le premier, c'est une aide à la trésorerie, un chèque. On parle d'un milliard d'euros, 120 milliards de CFP. Il y a également une subvention pour l'énergie. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a aucun pays avec des usines métallurgiques qui ne bénéficie pas de subventions pour son électricité. C'est des entreprises qui sont très énergivores. Donc là, l'État met en place ces mécanismes. Donc il faut, il va falloir en profiter. C'est dommage que ça n'arrive que maintenant, mais c'est bien que ça arrive. Le chèque va amener ce petit bol d'air en termes de trésorerie. La partie subvention sur l'énergie, je crois que ça va durer 10 ans et c'est beaucoup plus structurant. Il faut qu'on en profite déjà pour trouver une solution de façon à pouvoir produire à terme une énergie à bas coût. Le dernier point, c'est qu'on a beaucoup parlé de nickel casserole et de nickel batterie. On a oublié l'application militaire. On utilise beaucoup de nickel dans les applications, la balistique, dans l'armement, dans la fabrication des avions. Ça va être compliqué d'expliquer à la SNECPA qui produit les moteurs de Rafale qu'on ne peut plus produire parce que vous avez un pays comme la Chine ou l'Indonésie qui refuse de nous livrer son nickel. Donc ça laisse une porte ouverte pour des filières restreintes d'exploitation avec une chaîne d'approvisionnement entre guillemets sécurisée vers la métropole. Mais c'est très 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 limité. Ensuite, les promesses n'engagent que ceux qui les croient.
Et on est obligé de se rattacher au discours de notre président qui nous parle de l'Inde-Océan-Pacifique, de réarmement industriel de la métropole et de ressources stratégiques et le nickel. Mais aujourd'hui, on y est. On est à la convergence de ces trois points, on est à la convergence de ces discours. Et maintenant, il nous faut des actes qui viennent illustrer ces jolis propos. Merci, messieurs, d'avoir participé à ces jeudis de l'économie dans lesquels on a essayé de voir quelles sont les conséquences. Et si je devais résumer, c'est un peu compliqué, mais j'ai l'impression, et vous pouvez me contredire encore dans les 2-3 minutes qui restent, qu'on est un peu au milieu du guet dans la situation actuelle, que la catastrophe est possible, mais qu'elle est encore évitable. Ceci dit, ça ne se fera pas sans casse. Il y a toujours des gens qui vont se retrouver dans des difficultés parce que le système ne pourra pas continuer à fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que ça vous semble juste? Il y a un grain qui arrive. Est-ce que c'est un petit grain? Est-ce que c'est une tempête? Il va falloir le traverser. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'en connaît ni l'intensité ni la durée. Et on ne sait pas dans quel état le bateau sera à la sortie. Patrick Dupont. Voilà, oui, c'est exactement ça. Mais le problème, c'est qu'on affronte aussi le grain avec une situation économique locale qui est déjà effectivement dégradée. C'est un peu aussi, ça rajoute un peu au la problème. Mais après, effectivement, je pense qu'on peut trouver, bien évidemment, avec l'aide de l'État, les moyens de s'en sortir. Je pense qu'avec l'aide de l'État, à une condition, c'est qu'il le veuille, sachant qu'on détient toutes les compétences pays. C'est quand même dommage d'être arrivé au point où on en est arrivé avec toutes nos compétences. Vous en parlerez évidemment dans l'Assemblée générale de Contract Mine qui aura lieu ce week-end à Ténès. Samedi okay. À Ténès. Nickel, jamais, non. Tout a été dit de votre côté. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci.